Salin, mets-la. Mets-la la cabolote là. Mais qui mal foutu ça? Si on s'est le magie cochon. Si la raille t'a là. Vais pas de chou à l'autre là. Mensonge et trahison. Si on s'est le magie cochon. Dans l'épisode précédent, après avoir ordonné à Joseph son jardinier d'arrêter de dire que sa femme est une paysage géante qui peut nourrir plein de personnes, Monsieur le maire décide d'aller la récupérer à Santo Domingo. Mais avant, il décide de crier son ancien meilleur ami et premier adjoint Georges pour lui dire tout ce qu'il a sur le tchèo. Depuis qu'il a appris que ce dernier qu'il considérait beaucoup lui a donné un tac non homologué en se présentant au sectionnal contre lui. Monsieur le maire s'entend est en train de l'assaisonner au téléphone devant tout ça des hounds. Georges finit par avouer qu'il était bon de servir de la main et que lui aussi voulait le pouvoir, les privilèges et les chiquilis. Toute la panoplie des mains, quoi. Tout pendant qu'il dit ça, ne voilà-t-il pas qu'une voix qu'à Samta Nenette lui demande s'il veut champagne? Ah! Écoute-moi, écoute-moi, Jack. Je ne voulais pas que ça arrive jusque-là. Jean chéri, tu veux du champagne? Attends, qui vient de parler, là? Personne. Ne te fous pas de moi. Je connais cette voix. Non. Oui, non, c'est juste, oui, tu vois ce que je veux te dire. Non, je vois pas. Eh oui, c'est un peu embarrassant. Eh oui, bon, c'est un vieux ordinateur ramassé pour des coups de moins. On chiquilie quoi, tu vois? Ah bon? Oui, je vois. Je vois très bien même. Mais cela me fait dire aussi que tu es plus faux cul que ce que je croyais. Alors pendant que je souffre et suis dans la merde, monsieur prend du bon temps avec le bon... Tu ne m'as pas! Chut, je t'ai dit! Que je suis dans? On me empêche à parler vous aussi? Encore posez vos questions, réponds! Bella! Qui t'a Bella? Je te resserre du champagne ou pas? Allez, rejoins-moi vite dans la... Bella, c'est ton mari! Mais attends! C'est la voix de Nénette, ça! Allô? Allô, Georges? Georges! Et Joseph derrière, mais c'est la mère qui attend tout! Ça te passe le temps de oui? Mais devine pour nous mouer! Allô, Georges! Réponds-moi! Ça fait long. Bon, je t'ai dit... Rappelle-moi! Je passe sous... En plus, il me raccroche au nez. Attends, je le rappelle. Allô? Ça fait rouge. Arrête tes conneries, je t'ai dit. Et passe-moi ma femme. Mais quelle femme? Nénette? Ah bon, subitement, il n'a pas assez bien. Mais non. Mais tu viens de me dire qu'elle est à Santo Domingo chez... Mais qui t'a à Santo Domingo? Quoi pas dans moi là? Passe à madame, moi, monsieur, moi. Et pas à Favine Chey. Dépêche-toi! Pou! Ouvrez ça, ouvrez! Adi ou là, mi! Mi qui mite? Mi téléphone là! Non, moi, abusez pas les baou! Adi ou pé là! Ah bon? Ah bon? Ah bon, avez pas? Avez pas parlé baou! Mi téléphone là, adi ou! Allô? Allô, ma nénette! Tu n'es donc pas parti à Santo Domingo? Mais que fais-tu chez ce traître? Ça va regarder où? Et c'est toi qui as traité les gens de traître? Toi qui as trompé une femme fidèle comme moi? Et Joseph toujours qui écoute tout par les hauts par l'air. Ah, la technologie qui a fait des belles voix, t'as mis. Oui, monsieur Limé, Menti Ali, monsieur Limé. Parlez ce n'est pas blague à mon mot. Menti Ali. Mais, ma nénette, mais je partais te chercher à Santo Domingo. Ça, c'est ça fait un problème, hein? Tu m'as trompé. Je t'ai dit que c'était fini. Donc, vous pas venir poser la question. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi une chance. Pourquoi tu t'emballes vite comme ça? Ah, laisse-moi tranquille. Monsieur Limé, pas quitter madame la parler comme ça, bah vous, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive à ton fidèle caniche de Joseph, ton jardinier? Il a un problème lui aussi? Reste avec lui. Mais non, chérie. Attends, donne-moi une chance. Eh oui, s'il te plaît. Je peux me rattraper. Monsieur Limé, songez, ça m'a dit. Madame Pabo, oui. Joseph, t'es fou. Je parle avec ma femme. Quitte ta femme, oui. Monsieur Limé, qui t'a m'a dit habité? Longtemps, il y avait monsieur Jean joué. Quoi? Sans sel, manger cochon.
mi saloperie,